C'est le moment des déclarations des députés, la députée de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, j'ai organisé un forum pour les femmes entrepreneurs à Beaches, East York, car le côté est de la ville de Toronto a un très grand nombre de femmes entrepreneurs. Et il a été reconnu que la pandémie a eu une incidence grave sur les femmes entrepreneurs. Et elles avaient beaucoup à dire. Leurs revenus sont en baisse, les dépenses sont à la hausse. Elles ont besoin d'une réduction du loyer. Elles ne veulent pas que le gouvernement dise que la réduction du loyer est un plan pour leurs entreprises. Il faut interdire les expulsions commerciales jusqu'à la fin de la pandémie. Et le gouvernement doit prendre des décisions axées sur les preuves scientifiques. Les petites entreprises qui se sont fait demander de fermer le 9 octobre ne comprennent pas pourquoi on les voit comme plus dangereuses que les autobus surpeuplés ou les salles de classe bondées. Les studios de danse ont été rouverts, mais les studios yoga, les gymnases qui ont dépensé des milliers de dollars pour mettre en place des mesures de protection. Nous devons récompenser les petites entreprises qui ont investi dans la sécurité plutôt de les fermer de manière arbitraire. Il faut une prise de décision axée sur les preuves scientifiques. Les petites entreprises de Beaches, East York et partout dans la province méritent bien mieux. La députée de Barrie Innisfil. Merci, Monsieur le Président. Ce mois-ci, on célèbre le jour de la personne qui marque l'anniversaire de la décision judiciaire selon laquelle les femmes étaient des personnes. Donc les célèbres cinq, Amy Murphy, avait contesté une décision de la Cour suprême. Elle est originaire de Cooksville, située à Innisfil. Innisfil a un excellent bilan en matière de ces femmes d'influence. En fait, notre mairesse vient de se faire décerner un prix. Et McCleary Downer, la chef, Madame McCleary Downer, qui est policière de la PPO, en 92, elle est devenue la première femme de devenir d'atteindre un certain rang au sein de la PPO. Et c'était la première femme policière de cette région. Elle était aussi aide de camp de la lieutenante gouverneur. Et ce mois-ci, elle a été nommée aide de camp principale. Je suis très fier de représenter une circonscription qui a un tel legs. Déclaration des députés, le député de Niagara Centre. J'aimerais parler de l'une des pertes causées par cette pandémie, des instituts culturels et des établissements culturels qui fournissent des services très importants dans nos communautés. Ils appuient les aînés et les jeunes. Ils font des collectes de fonds pour les banques alimentaires et pour d'autres OBNL. Mais beaucoup de ces entités devront fermer. Par exemple, Club Capri, créé en 1917 par un groupe de bénévoles, cette entité a ouvert ses portes en 1960 et organise toutes sortes d'activités depuis son inauguration. En raison de la pandémie, cette entité a perdu la moitié de son revenu. En août, Club Capri a fait une demande pour une subvention Trillium. Et donc, sans intervention, cette entité va devoir fermer ses portes. Club Capri n'est qu'un exemple des OBNL à l'échelle de la province qui sont sur le point de rupture. Ne vous en trompez pas. La relance dépend de la capacité du secteur à but non lucratif. Les investissements dans les infrastructures culturelles sont essentiels pour le bien-être des communautés. Nous devons investir dans ces communautés, sinon ça va nous coûter cher à l'avenir. La députée de Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole
pour déplorer une autre décès causé par la violence armée. Shane Stanford, 33 ans, était tué le 7 octobre. Ce jeune homme était membre d'une YMCA située très près de Queen's Park et retourné chez lui après avoir fermé la YMCA et finalement il a été déclaré décédé sur la scène et c'est la 58e victime de meurtre mercredi dernier. On a rendu hommage à ce jeune homme qui a travaillé avec les jeunes de sa communauté et c'est très important d'avoir de tels acteurs dans nos communautés. L'un de ses amis a dit que c'était quelqu'un dont il s'inspirait et quelqu'un a dit qu'il avait une belle âme. Sa vie était précieuse et sa famille est en deuil. Donc, à la suite de cette tragédie, j'ai recommencé des discussions avec des leaders communautaires sur nos efforts pour contrer cette violence tragique. Déclaration des députés, la députée de Waterloo. Merci. C'est un plaisir de parler de Abigail Lapsinger. En fait, c'est quelqu'un qui est touché par un cancer du cerveau depuis 5 ans, c'est-à-dire pour la majorité de sa vie. Mais elle est très forte, elle a le soutien de sa famille tout au long du processus. Dans le cadre de son traitement, elle reçoit des transfusions sanguines à chaque semaine. Pour Abigail et pour ses familles, ces transfusions sont vitales. L'expérience de Abigail met en lumière la nécessité de faire des dons de sang. 900 enfants reçoivent un diagnostic de cancer à chaque année et beaucoup de ces enfants ont besoin de plasma, de sang et des plaquettes. Les services de dons de sang ont mis en place des protocoles nécessaires pour que nous puissions faire des dons de sang de manière sécuritaire. Si vous êtes en mesure de le faire, veuillez programmer un rendez-vous à blood.ca. Donc, au nom de la circonscription de Waterloo, nous pensons à cette fille. Déclaration des députés, la députée de Thornhill. Sylvia Lovegarden a 95 ans et elle se sert des appels Zoom durant la pandémie. Elle est en contact avec ses amis et avec sa famille. Elle se débrouille bien, donc elle fait partie d'un groupe de personnes qui vise à créer un festival de films axé sur la discrimination contre les personnes âgées, c'est-à-dire l'âgisme. L'âgisme est quelque chose qui est influencé par des facteurs sociaux qui mine son élimination. Le festival sert à favoriser les discussions à cet égard. On va honorer une femme autochtone de 88 ans qui est cinématographe et qui est toujours en train de faire des films documentaires. Le festival va mettre en lumière 3 films ontariens, y compris The Cuban, The Art of Downsizing et Harold and Maude, qui portent sur la relation entre un jeune homme et une femme de 79 ans qui est survivante des camps des nazis. C'est une leçon très importante pour les amateurs de films. C'est quelque chose qui est gratuit et inscrivez-vous à silverscenes.org. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ce week-end dernier, les députés du gouvernement ont encouragé sur les médias sociaux leurs commettants de se faire vacciner contre la grippe.
Mais est-ce qu'ils ne comprennent pas que les gens à Scarborough et à l'échelle de la province se font nier l'accès aux vaccins dans les pharmacies en raison d'une pénurie de vaccins? Hier, durant la période des questions, la ministre de la Santé a dit qu'il n'y a aucune pénurie, mais on me dit le contraire. Je sais que les députés du gouvernement entendent aussi le contraire. Le gouvernement était au courant de cette possibilité. L'Ontario a une population de 14,5 millions de personnes, mais cependant, le gouvernement n'a commandé que 5,1 millions de doses. Mes commettants ont dû attendre 6 heures à Shoppers Drug Mart, et finalement, ils se sont fait rejeter en raison d'une rupture de stock. Une aînée de ma circonscription m'a parlé de ses préoccupations quant à son incapacité d'accéder au vaccin. Il a joint plusieurs médecins et pharmacies et finalement, ils lui ont dit que les vaccins disparaissent le jour où on les reçoit. À Cliffs Crest, le Shoppers Drug Mart avait un panneau sur lequel était écrit « Nous sommes en rupture de stock quant au vaccin contre la grippe ». Monsieur le Président, nous savons que c'est un gros défi, mais les gens ne devraient pas avoir à attendre si longtemps pour se faire vacciner contre la grippe. Le gouvernement doit être honnête et doit avouer qu'il n'était pas préparé pour la deuxième vague. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour exprimer les préoccupations des entreprises de ma circonscription et de partout dans la province. Les entreprises font face à un deuxième confinement et donc n'arriveront pas à joindre les deux bouts et devront fermer boutiques. Ces fermetures ont été annoncées sans préavis et nous ne voyons pas les informations selon lesquelles il y a eu de la transmission causée par les entreprises à Ottawa. Des entreprises à Ottawa, y compris les gymnases, s'intéressent au bien-être de leur communauté et ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour protéger la communauté. Beaucoup d'entre elles remettent en question les limitations récemment mises en place. Les gymnases et d'autres entreprises aident sur le plan de la santé mentale. À Ottawa, dans ma circonscription, les gens ont fait preuve d'appui aux petites entreprises et veulent protéger l'avenir de notre économie locale. Mais ce n'est pas la responsabilité des petites entreprises de régler ce fardeau. La subvention de jusqu'à 1 000 $ pour l'achat d'équipements de protection, les équipements de protection individuelle, n'est pas quelque chose de significatif. Je demande au gouvernement de passer à l'acte et de fournir une aide véritable aux petites entreprises qui sont l'épine dorsale de notre économie. Déclaration des députés, le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'étais heureux de voir le ministre des Services aux consommateurs et le Premier ministre dans ma circonscription où nous sommes rendus à DSV Global. J'ai fait une visite guidée de cet établissement il y a un an et je savais que cette entité allait jouer un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement de l'Ontario. Mais en raison de la pandémie, DSV a joué un rôle très, très important pour protéger les Ontariens et pour leur fournir des équipements de protection individuelle grâce à ces efforts. 42 millions d'articles d'équipements de protection individuelle ont été produits à Milton, c'est-à-dire 12 semi-remorques par jour et 50 à 60 personnes qui s'occupent du port et de la manutention à tous les jours. Ces équipes font en sorte que les équipements de protection individuelle soient disponibles aux gens qui en ont besoin, c'est-à-dire plus de masques, plus de visières, plus de gel antiseptique et plus de gants sont envoyés à nos écoles et aux autres instituts. Je tiens à remercier l'équipe du ministère des Services aux consommateurs et gouvernementaux qui s'assure à ce qu'il y ait suffisamment d'équipements de protection individuelle disponibles. Et ce sont des produits de qualité. Donc,
Grâce au travail à Milton, nos chaînes d'approvisionnement sont fortes et les Ontariens sont en santé. Merci. Déclaration des députés. Député de Merci, Monsieur le Président. Je suis contente de dire qu'aujourd'hui, Amazon a choisi Hamilton comme son nouveau centre. Cela créera énormément d'emplois. Et on planifie l'ouverture l'année prochaine. Il y aura de l'assistance robotique pour empacter certains items. Ce sera ensuite envoyé à Stony Creek, où des vannes livreront les produits aux consommateurs. Cela élèvera le nombre de centres d'approvisionnement en Ontario à 10. Cela aura aussi amènera un partenariat avec l'aéroport de ma circonscription. Nous avons vu beaucoup une prospérité économique dans ma circonscription. DHL a également installé un centre de distribution à l'aéroport de ma circonscription. DHL et Amazon sont très en demande. Cela démontre que les entreprises ont confiance en notre province. Notre gouvernement travaille pour la relance économique et pour que les gens retournent au travail. Merci. Merci. Cela termine la déclaration